Bonjour à tous, je suis Razika, vous êtes bien sur ma chaîne Mes Secrets de Nana. Nous sommes mardi 21 juin 2022, c'est parti pour une vidéo à action de Servon. Rayon peinture, on a un kit de croquis dans sa boîte, il y a 30 pièces, donc la boîte est en métal et différents crayons à papier. Il y a une gomme, un taille crayon aussi. Des crayons de charbon de bois, crayon graphite sans bois, fusain blanc, 3,95€ la boîte. Ils ont remis les petits chevalets à 2,99€, donc chevalet de peintre de table en bois, 50 cm. La petite mallette aussi, comme ça, est assez sympa en bois. Il y a 37 pièces, 6,99€. Oui, c'est un cadeau qui est vraiment pas cher pour quelqu'un soit qui aime déjà dessiner, soit qui voudrait se mettre au dessin. Petit photophore métal, 1,99€. Et on a des nouvelles lanternes. Celle-ci à 5,95€, fil noir, donc avec le photophore en vert. Donc après, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez mettre la couleur de bougie que vous souhaitez. On a un autre photophore métallique. Alors, normalement, celui-là existe aussi en doré. Et c'est deux photophores noirs fil, mais différents. Donc le doré, il est là. Donc ceux-là sont à 2,99€ et ben, ceux-là, 1,99€. Ils ont remis ces petits vases en céramique à 1,59€. Donc on a quatre couleurs. On a cette couleur sable, blanc, rose et vert. Et puis on a deux formes. 1,59€. Les petits pots à provision en verre, donc avec les différents couvercles, il y a trois couleurs, hein. Il y a doré, il y a du gris et puis normalement il y a aussi du noir. Et au niveau des motifs, on a ceux-là et puis on en a d'autres, voilà les petits carrés là. C'est dommage qu'ils n'ont pas fait des modèles plus grands. Je pensais que ça allait arriver, mais pour le moment on n'a que cette taille là. Après, au niveau des pots à provision en verre, on a ceux-là aussi, donc ils sont à 99 centimes avec le bouchon en plastique. Puis après, vous avez différentes couleurs. Vous avez un modèle un peu plus grand, 1,69€, ceux-là, ils font 1 litre. Si vous aimez le système, justement, vissé, on a ceux-là, 92 centimes. On a gris, blanc, du rouge et on a aussi du noir. Ils ont remis ces désodorisants poubelle, 97 centimes, donc à coller au fond de la poubelle pour que ça sente bon. Je l'ai testé, c'est vrai qu'au début ça sent plutôt bon, mais bon, pas plus que ça, c'est pas quelque chose que je rachèterais. Moi les poubelles, hein, je vous l'ai déjà dit, mon petit secret, c'est du bicarbonate de soude, une petite cuillère au fond de la poubelle et ça fonctionne très bien. Après, peut-être que ma poubelle est trop grande, mais voilà. Donc c'est ça que je prends, c'est 1,59€. J'en mets une petite cuillère au fond de la poubelle. J'en mets aussi dans une petite coupelle dans le réfrigérateur. Et ça évite les mauvaises odeurs. En ce moment, on les voit partout, les friteuses sans huile, dans quasiment toutes les enseignes. Après, je vous dis à chaque fois la différence. Il y a le prix, évidemment, mais avec le prix, la différence aussi, c'est la taille. Alors celle-ci, c'est un modèle XL. 4,5 litres, c'est jusqu'à 5 personnes. Honnêtement, j'ai eu que des retours positifs. J'ai pas eu de retour négatif sur cette friteuse. Après, peut-être que les personnes qui ont des retours négatifs ne sont pas venues me le dire, mais en tout cas, voilà, j'ai pas eu de retour négatif. C'est une friteuse sans huile. Il faut quand même une petite cuillère d'huile. Et le petit plus, pourquoi elle a eu autant de succès, c'est qu'on peut faire plein de choses à côté. On peut cuire du poulet, cuire des légumes, on peut faire certains gâteaux. Donc c'est plus qu'une friteuse. 59,95€. Quelle nouveauté ? Je suis en train de réfléchir si c'est une nouveauté ou un retour. Parce qu'il y a eu pas mal de caméras. Celle-ci, c'est une caméra rotative qu'on peut connecter via le Wi-Fi sur son téléphone. Donc du coup, à distance, on peut voir ce qui se passe dans la pièce. Alors, je suis juste en train d'essayer de voir si c'est... c'est une caméra d'intérieur, voilà. Caméra d'intérieur rotative. 28,95€. Alors il me semblait... C'est juste à côté. Je voulais dire, il y a une caméra d'extérieur. 39,95€.
pour éventuellement la voir ce qu'il y a dans son jardin. Donc 39,95, évidemment, connecté, on peut connecter sur son téléphone ou sur une tablette via le Wi-Fi. Donc on a la sonnette caméra 9,95. Alors moi je trouve que c'est super pratique. On n'a pas besoin comme ça de soit de sortir la tête pour voir qui est-ce. Et c'est bien aussi parce que quand on n'est pas à la maison, ça permet aussi de voir qui est là. Tiens, donc ça je ne les avais pas vus aussi, c'est des spots encastrables. À 8,95, pareil, on peut connecter via son Wi-Fi sur son téléphone, donc je pense pour éteindre, allumer ou changer l'intensité de la lumière. Les valises, alors on a ce modèle là, 69,95€, 81 litres, valise à coque rigide, on a la plus petite à 59,95€, alors pensez à regarder le poids à vide, c'est important parce que quand on part, alors selon les compagnies, on a le droit à 20, 25, 30 kilos. Je parle des grandes, et pour la soute à bagages, c'est 10 kilos en général. Donc on regarde, normalement c'est indiqué quelque part le poids à vide. Je sais pas, je suis en train de le chercher. Voilà, 3,9 kilos à vide, et celle-ci donc 4,9. Valise cabine. Je voulais dire valise cabine tout à l'heure, je vous ai dit soute, je ne sais pas pourquoi. Les 10 kilos, c'est dans la cabine. Donc après, on a ces petites valises-là à 29,95. Il reste ces deux couleurs. Ou la valise action, 23,95. Je l'ai à la maison, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de la sortir. Tiens, protection voiture, ça peut être intéressant. 6,99. Donc protéger la voiture pour éviter que vos animaux ne salissent vos sièges. Alors 1m35 sur 1m45. Les brosses, 2,59€. Après on a le gant là, 1,99€. Alors il y avait eu un moment au rayon entretien, un gant comme ça en silicone qui permettait de nettoyer aussi les animaux. Oh, c'est trop mignon, ça c'est nouveau. Donc pour les griffes, donc on peut l'attacher. Donc le chat se fait les griffes et puis en même temps peut jouer. Par contre, je vois pas le prix. Je l'avais déjà présenté, mais le spray pour pneus, 3,49€. Donc en cas de crevaison, on peut utiliser ça. Donc c'est une mousse qui va venir dans le pneu. Moi, ça m'a déjà, j'explique à chaque fois, ça m'a déjà dépanné. Après, c'est vraiment le temps de rouler. Puis après, il faut changer ses pneus après. Le seul inconvénient, c'est qu'une fois qu'on a mis la mousse, on ne peut pas réparer le pneu. Parce que vous savez qu'on peut réparer un pneu en y mettant une mèche. Mais d'après ce que j'ai compris, une fois qu'on a mis ce genre de mousse, on ne peut pas réparer le pneu. Alors, je ne sais pas si... moi, j'ai tenu compte de ce conseil-là. J'ai changé mes pneus quand j'ai mis de la mousse. Mais voilà, quand vous mettez de la mousse, vous ne pouvez pas réparer votre pneu après. Bon, je crois que ça fait 2-3 fois que je vous le dis, mais voilà, je pense que vous avez compris. Par contre, si c'est, vous avez une crevaison, pensez à demander la réparation par mèche, parce que c'est une réparation qui va coûter... je ne vais pas donner le prix, mais on va dire entre 8 et 20 euros. Ça dépend du garagiste, on va dire ça comme ça. Et après, on peut rouler plus longtemps. Il reste encore quelques paniers en fil avec le couvercle XXL à 15,95€. Et les plus petits à 9,79€. Tiens, le retour mat fond de teint mat finish de Max & More. Alors il y a 5 teintes. Par contre, j'ai pas le prix. Je vous le donnerai dans une vidéo prochaine. Le set de jeux de sport d'été. Il y a 16 pièces dans le petit sac. Sympa, puisque comme ça, de la plage, on peut les remettre. Il n'y aura pas d'eau dans le sac. 8,95. Les petits pistolets, les raquettes. En parlant de raquettes, on a le set de soft tennis avec balle en mousse à 3,89€. Ultra doux shampoing érable guérisseur à l'huile de ricin et sève d'érable, 2,95€.
on finit par des balistos avec un petit clin d'œil à une de mes amies, Oh, des balistos, 1,29€. Donc c'est des balistos muesli, noisette, raisin. Il y en a 6. D'habitude, il y en a aussi aux fruits rouges, mais là, je vois qu'il n'y a que celui-là. Donc très très bon, les balistos. Des fois, ça fait vraiment du bien de prendre quelque chose de sucré. C'est vrai qu'il y a les balistos jaunes aussi, mais j'en trouve pas chez Action, il y en a dans d'autres grandes surfaces. Et il y a eu une période où j'avais envie de regoûter les balistos jaunes, puisque quand j'étais plus jeune, c'était un petit peu les confiseries du moment, on va dire ça comme ça. Mais quand j'ai regoûté, j'ai pas eu le même goût. Ça m'a pas rappelé mon adolescence, on va dire ça comme ça. À l'époque aussi, il y avait les Yes. Je ne sais pas si vous vous souvenez des Yes, je ne sais pas si vous connaissez ou pas. Et pareil, j'ai regoûté, c'était pas pareil. Voilà. Bon, sur ce, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à plus tard.